Horoscope Verseau du 24 mars 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. Le présent mouvement céleste se traduira par un net allègement du climat dans votre vie conjugale. Il sera favorable à une meilleure entente avec votre conjoint ou partenaire. Toutes les tensions seront résolues, tous les malentendus seront dissipés. Célibataire, la solitude vous pèsera cruellement et les aventures sans lendemain vous laisseront insatisfaits. N'allez pas, pour autant, vous engager à la légère dans le seul but de ne plus être seul. Une rencontre importante se produira bientôt, alors prenez patience. Horoscope argent. Vous pourrez effectuer des transactions financières fructueuses. Il y aura des écueils à éviter. Mais si vous évaluez avec précision les risques en présence, vous réaliserez d'excellentes affaires. Horoscope santé. Votre bonne résistance physique et nerveuse vous permettra de venir à bout de quelques petits malaises sans conséquence. N'oubliez pas de toujours suivre une discipline de vie stricte. Horoscope travail. Au travail, affrontez vos responsabilités avec courage et ténacité et luttez contre un certain ras-le-bol qui vous empêche de prendre les initiatives nécessaires. Ayez confiance en vous ou, si vous voulez, en la protection des astres à présent. Cependant, soyez vigilant dans vos rapports avec les autres. Vous trouverez aisément les appuis nécessaires en cas de besoin, mais vous devrez vous entourer de garanties sérieuses. Horoscope famille. À la une de vos préoccupations, votre vie familiale. Même si vous semblez souvent soucieux de conserver une forme d'autonomie, le bien-être de vos proches est l'un de vos soucis majeurs. Vous ferez de grands efforts cette fois pour l'améliorer. Horoscope vie sociale. Cette journée sera excellente pour assurer le règlement des affaires en cours sur le plan juridique. De même, elle permettra d'aplanir les différends avec l'État, particulièrement ceux concernant l'administration fiscale. Tout ce qui se rapporte à l'étranger pourrait être facteur de chance.